Merci de nous rejoindre dans ce journal de la TV+. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, sans plus tarder, les détails de nos informations. Et on ouvre ce journal avec l'actualité politique. La CENIT a expliqué ce jour que la date de la tenue des élections peut être négociée. Fan Rakoutounjazak, rapporteur général de la CENIT, a mentionné que les experts des Nations Unies en matière d'élections n'ont formulé que des propositions, même s'ils ont annoncé qu'il est préférable d'organiser des élections jumelées de la présidentielle et des législatives au mois de mai et juin 2013. Les experts des Nations Unies ont aussi annoncé que si les conditions ne sont pas remplies, il est impossible pour Madagascar d'organiser des élections cette année. Les propos avec Tiamoun Genève et Rivrain Jenarzon. Les experts des Nations Unies en mission dans la Grande Île pendant un mois ont finalement publié le rapport de leur mission en fin de semaine. Ils ont mentionné qu'il est fort possible d'organiser les élections en 2013. Plus précisément, les élections présidentielles et législatives jumelées pendant la période sèche. Face à cette proposition des experts des Nations Unies, la CENIT, par le biais de Fan Rakoutounjazak, rapporteur général, a expliqué que la présidente de la CENIT reste ferme en annonçant que même si les experts des Nations Unies ont fait des propositions sur la tenue des élections à Madagascar, il est encore possible de négocier au niveau des partis politiques malgaches. Fan Rakoutounjazak a aussi expliqué qu'il subsiste deux paramètres qui font obstacle à l'organisation des élections. D'abord, l'absence de la loi qui régit les élections présidentielles et législatives, selon Fan Rakoutounjazak. Mais actuellement, l'avant-projet de loi est déjà accepté par le Conseil des ministres. Il ne reste plus que l'adoption par le Parlement, a-t-il ajouté. Le deuxième paramètre se rapporte à la logistique indispensable pour l'organisation de toute élection. Si toutes les conditions de préparation des élections ne sont pas réunies, la CENIT ne peut envisager aucune élection. D'autres sources auprès de la CENIT nous ont aussi dévoilé ce jour que le budget de fonctionnement de la CENIT pour la préparation des élections n'est pas encore débloqué. Cette somme s'élève à 3 milliards d'ariary, suivant la décision prise en Conseil des ministres. Les actions de la CENIT sont actuellement axées sur la mise en place des démembrements. Une journée bloquée est organisée par la CENIT aujourd'hui et demain. Une journée d'échange et de partage pour la mise en place des démembrements. La situation actuelle ne permet pas à la Grande Île d'organiser une élection cette année, d'après Alain Rangemsès. Petra Koutnian est aussi du même avis en maintenant que tous les problèmes comme les revendications syndicales devraient être réglés avant la tenue des élections. Quant au parti TGV, Erasua Marmaka confirme la décision de son parti de tenir au moins une élection cette année. Tiamoun Genève et Rivrain Jenarzon. Les suggestions des experts des Nations Unies est d'une importance primordiale parce que derrière cette suggestion, il nous signifie clairement que la situation actuelle n'est pas encore assez stable pour qu'on puisse organiser une élection sereine, transparente et qui garantit la citoyenneté de chaque malgache quand il va faire une élection, et que sa voix soit assurée qu'il corresponde bien à la personne qui sera élue. En quelques mots, on peut dire qu'aucune garantie n'est donnée actuellement ni aux politiciens, ni au peuple malgache, qu'une élection qui soit organisée cette année serait capable d'arrêter la crise et amener la sérénité dans notre pays. Et au-delà de cette sérénité, une situation démocratique fiable et un développement stable pour la population malgache. Le parti TGV, par le biais de Erasua Marmak, coordonnateur du parti dans Analamang, a expliqué que l'origine de la crise est un problème politique. Avant d'organiser une élection cette année, il est utile de demander l'avis des politiciens. À part cela, le parti TGV a aussi expliqué que pour avoir une élection libre, transparente et crédible, la communauté internationale devrait en financer la préparation et l'organisation. Petra Koutnian, président du parti Tambach, de son côté, a aussi formulé son avis. D'après lui, si la situation trouble actuelle, comme les différentes revendications syndicales perdurent, il est conseillé d'attendre la tenue des élections en 2013.
Face à l'appel du Premier ministre aux membres de la mouvance Ravalmanen qui ont suspendu leur participation à la transition, le vice-premier ministre chargé de l'économie et de l'industrie a répondu que chacun est responsable de ses actes et de ses déclarations. Selon ses dires, la mouvance Ravalmanen ne demande que l'application en totalité de ce qui a été contenu dans la feuille de route. Unra Kutninjin et Omekar Anevzon. Les éléments de la mouvance Ravalmanen, membres des institutions et du gouvernement de la transition, maintiennent leur position quant à la suspension de leur participation à la transition, selon le vice-premier ministre chargé de l'économie et de l'industrie. Ce dernier de marteler que la mouvance Ravalmanen constate une application partielle du contenu de la feuille de route. Les tenants du pouvoir transitoire n'appliquent que les articles qui confortent leur place et embellissent leur image aux yeux de la population, selon toujours le vice-premier ministre. Or, cette feuille de route, lors de sa signature, stipule l'application immédiate et entière de tous les articles. Les signataires avaient alors demandé l'application intégrale de tous les articles de la feuille de route, selon toujours le vice-premier ministre chargé de l'économie. Ainsi, la mouvance Ravalmanen ne reviendra sur sa décision que si cette façon de voir change. Ils sont prêts à réintégrer la transition si les tenants du pouvoir transitionnel promettent une application directe et immédiate des articles restants de la feuille de route, tels que les articles 16, 17, 18 et 20. Ces articles sont relatifs surtout au cas des exilés politiques, plus particulièrement l'ancien président Mark Ravalmanen. Le vice-premier ministre chargé de l'économie de marteler que chacun est responsable de ses actes et de ses déclarations. Il a également mentionné que même si la mouvance Ravalmanen a décidé de suspendre sa participation aux réunions des parlements et au conseil des ministres et du gouvernement, ils assument normalement leurs fonctions en tant que ministres ou membres du parlement. La FFKM n'a fait aucune déclaration hier lors du culte œcuménique qu'elle a organisé à l'écart d'Amatumlit, alors que vendredi dernier, la CFIP avait annoncé lors d'une conférence de presse que la FFKM annoncera sa feuille de route sur les travaux de réconciliation. Le président de la FFKM, Mgr Victor Rakout-Andor, avait juste réitéré qu'il faut concilier travail et prière. Mgr Odon Razanakul a brillé par son absence à ce culte, tandis que le pasteur Lala Rasenja Hassan n'était arrivé sur les lieux que 5 minutes avant la fin. Miri Danjebloul et Arfit Rakoutmanal. Les mouvances Avel Beredi d'Iratira qui étaient fortement représentées hier au culte œcuménique organisé par la FFKM à l'écart en Batumlit. La mouvance Avel Ber a été représentée par le professeur lui-même, ainsi que par le chef de la délégation de la mouvance, le professeur Mianchou Marcel. Pour la mouvance Ratsirak, son chef de délégation, le professeur Ongendian Arsou, avait également assisté à la messe accompagné de Ramisan Razan. Le général Dolin Rasoulsou, président du Conseil supérieur de la transition, était le seul représentant du pouvoir transitionnel. La mouvance Ravalmanen et les partis proches du président de la transition étaient parmi les grands absents de ce culte. Par contre, on a remarqué la présence de certains politiciens qui n'avaient pas fait beaucoup parler d'eux ces derniers temps dans Fetsan, Rakunan Jenirin et Alain Jemsez. Du côté des chefs d'église, membres de la FFKM, Mgr Odon Razanakul l'a prié par son absence tandis que le pasteur Lala Rasenja Hassan n'était arrivé sur les lieux que 5 minutes avant la fin du culte. La FFKM n'a fait aucune déclaration hier lors du culte œcuménique qu'elle a organisé à l'écart d'un Batumlit, alors que vendredi dernier, la CFIP, plateforme d'observation de la vie nationale, avait annoncé lors d'une conférence de presse que la FFKM annoncera sa feuille de route sur les travaux de réconciliation. Le président de la FFKM, Mgr Victor Rakout-Andor, avait juste réitéré qu'il faut concilier travail et prière. Il a également annoncé que la CFIP a déjà fait son travail et les propositions de sortie de crise sont actuellement sur le bureau de la FFKM avant de passer aux mains des chefs d'église membres de la FFKM. La
L'aide reçue par Madagascar a été réduite, passant de 700 millions de dollars à 405 millions de dollars, soit une baisse de 40% entre 2008 et 2011, selon les rapports émanant des Nations Unies. En général, cette baisse a été causée par la crise qui a débuté en 2009 et qui continue de sévir jusqu'à maintenant. Toutefois, quelques partenaires se prononcent sur la nécessité de maintenir les acquis des années antérieures en ce qui concerne particulièrement les frais de gouvernance et de fonctionnement de l'administration. On fait le point avec Ondra Koutnidjin et Omega Ranevzon. Malgré la crise déclenchée en 2009 et qui persiste toujours, les partenaires techniques et financiers n'ont pas totalement rompu leurs relations avec Madagascar et particulièrement avec les populations les plus vulnérables. Un certain volume d'aide continue d'affluer dans le pays depuis 2009, environ une moyenne annuelle de 425 millions de dollars qui contourne les structures publiques. Cette aide est certes moins efficace, mais est à même d'assurer une stabilité sociale et préserve en partie les acquis des investissements intérieurs. Parmi les pays qui ont le plus aidé Madagascar durant la crise figurent les États-Unis, avec un apport de 44% de la totalité des financements. Ensuite viennent la France, l'Allemagne et le Japon. En général, l'aide reçue par Madagascar a été réduite, passant de 700 millions de dollars à 405 millions de dollars, soit une baisse de 40% entre 2008 et 2011, selon les rapports émanant des Nations Unies. Cette baisse a été causée par la crise qui a débuté en 2009 et qui continue de sévir jusqu'à maintenant. La responsabilité mutuelle est dans les cinq grands principes de la Déclaration de Paris, qui, en 2005, détermina les objectifs devant permettre d'aboutir à cette fameuse efficacité de l'aide que nous recherchons tous. Les quatre grands principes sont l'appropriation par le pays en développement des enjeux du développement via la définition de leur propre stratégie nationale, l'alignement des interventions extérieures sur les priorités nationales. Pour sa part, le vice-premier ministre chargé de l'économie et de l'industrie a renouvelé l'appel aux bailleurs de fonds d'appuyer Madagascar surtout dans les projets socio-économiques. L'aide est un moyen d'intégration des pays en développement dans la croissance économique si elle est gérée en toute honnêteté, tant du côté des donateurs que de celui du récipiendaire. Gérée avec efficacité, elle constitue un levier et appui pour parvenir efficacement au développement. En effet, le partenariat mondial est une dimension citée dans les objectifs des millénaires pour le développement. Ce partenariat devait être adapté à un monde qui partage un sort commun de par ces parties qui sont toutes liées entre elles. Ce jour s'est tenu le lancement du rapport sur la coopération entre développement 2010-2011. Les épreuves écrites du baccalauréat français ont débuté ce jour. C'est la première fois dans l'histoire de cet examen que les candidats composent en anglais dans certaines matières, d'après les explications du proviseur du lycée français. Les candidats dans tout Madagascar sont au nombre de 2573, répartis dans les 5 centres d'examen, dont Antananarivo, qui est le centre d'examen principal. Les premiers résultats seront publiés le 27 juin prochain et des résultats officiel le 30 juin selon les déclarations du proviseur du lycée et chef du centre d'examen, Zura Barzon et Marcelin Rangé-Bovouti. Tous les candidats subissent les épreuves écrites du baccalauréat à partir de ce jour et jusqu'à vendredi. Les examens oraux s'étaient déroulés il y a 15 jours selon les explications du chef de centre qui est également le proviseur des lycées français. Le centre d'examen d'Antananarivo compte 1600 candidats inscrits pour l'examen du baccalauréat français pour l'année scolaire 2011-2012. Dans tout Madagascar, les candidats sont au nombre de 2573, répartis dans les 5 centres d'examen d'après les explications du chef de centre d'examen.
Sur l'ensemble des épreuves pour l'année 2012, on a près de 2600 candidats qui vont composer sur différentes épreuves. Pour le bac français proprement dit, on arrive à 1600 candidats. Les épreuves se déroulent bien, comme vous avez pu le constater, les élèves travaillent, composent. Nous n'avions que 3 élèves en retard liés à des bouchons ou une crevaison. Pas d'incident majeur pour l'instant. Les candidats ayant obtenu la moyenne supérieure ou égale à 10 seront déclarés admis à l'examen, dont les résultats seront publiés le 27 juin. Mais les candidats ayant la moyenne égale ou supérieure à 8 sont délibérables et les résultats en seront publiés le 30 juin prochain, d'après les explications du proviseur du lycée. Ainsi, l'attestation de tous les candidats reçus à l'examen du baccalauréat cette année sera distribuée le 1er juillet. Rappelons que le baccalauréat français laisse aux candidats l'option entre la série littéraire, la série économie et sociale, la série scientifique et la série scientifique tertiaire. Cela fait maintenant 4 mois que la route en contrebas de la chapelle militaire d'Imbaïbé s'est éboulée et l'éboulement n'en finit pas de s'agrandir d'après les riverains. Et les risques d'accidents sont alors à craindre. À la commune d'Antananarivo-Ville, on affirme que la collaboration avec le ministère des Travaux publics est nécessaire pour réhabiliter cette route. Toujours avec Soura Barzon et Marcelin Djembovundi. Période pluviale selon les habitants d'Abaïbé, qui de plus affirme que la détérioration prend de plus en plus d'ampleur. Tout un riverain a expliqué que depuis ces 4 mois de désastre, il n'a vu aucun ouvrier de la commune passer, ne serait-ce que pour constater les dégâts. Les affaissements de voies publiques à Antananarivo sont nombreux, a affirmé le directeur du département des infrastructures dans la commune urbaine d'Antananarivo. Pour revenir en cas particulier de la route d'Impaïbé, ce directeur de dire que la réhabilitation nécessite l'intervention des engins et du financement des travaux par le ministère des Travaux publics. La réhabilitation de la route d'Ankraouach débutera cette semaine d'après Zou Christian, un Dietzlav. La circulation sera certainement coupée pendant toute la durée des réparations. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon suite au programme sur la TV+ Madagascar. Au revoir.